Votre ressenti sur l'arrivée en croisière pour le coup. Très sax. Toi aussi? Ah, moi je suis dedans, j'écoute la musique. Suzy, elle a aucune émotion. Par contre, vraiment, le contre-jour là, excellent. Bon. Là en fait on doit attendre une heure avant d'embarquer donc je filme tout après. Voilà. Le bateau est derrière, il est là. Oh mon dieu. To mislead, this is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it real. More than just a dream. On se croirait clairement dans un parc d'attractions. Vraiment. This is the same thing. Les gens, c'est magnifique. Bon, du coup, on est arrivé dans le bateau, on est embarqué et tout, là on est dans la chambre, enfin, un tour après. Et genre, ben voilà, j'ai pas trop quoi dire en vrai. Genre, c'est cool. C'est bien, il y a plein de... En fait c'est immense, genre il y a 15, 18 étages je crois. C'est ça, il y en a 18, 18 étages. Et voilà, la chambre est petite mais on est à 3 dans une chambre donc c'est bien. Chambre intérieure, je vous montre tout après de toute façon. Et voilà, buffet à volonté, la piscine, trop bien. Puis voilà. De toute façon je vous montre tout après donc voilà, la bise. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for... Bon du coup, première journée, désolé, toujours un contre-jour, mais le bateau vient de démarrer, comme vous avez pu voir sur les images. Et genre, en vrai, on sent pas trop les sensations, ça va, c'est tranquille. Genre, tranquille. Et on a fait un exercice de sauvetage, je sais pas, hein, un exercice de secourisme, enfin de sauvetage, moi je sais pas, un truc comme ça. Et bon, en vrai tranquille, c'est pas trop compliqué. Bon, on a eu un peu du mal parce qu'en fait il y a plein de points de rassemblement et tout le monde est en train de se mélanger et tout, mais en vrai ça va. Donc franchement c'est cool. Là on est posé à la piscine avec mes soeurs et je vais vous montrer un peu, en tout cas l'eau est hyper bonne, genre vraiment l'eau est... Bonne température et tout, c'est parfait. Voilà. Du coup en fait là on a la piscine principale avec l'écran géant là. Et au-dessus, donc environ ici, on a tout ce qui est jacuzzi. Et il y a une deuxième piscine en fait derrière le bateau avec plusieurs jacuzzi et l'eau est plus chaude. Mais pour l'instant là ça va plutôt bien. Alors, tranquille. Du coup la piscine derrière, voilà. Avec l'écran et tout, selon mon point de vue à moi, là-bas les jacuzzi, voilà. I just wanna live while I'm alive.
Bon, du coup, on vient de rentrer de l'excursion à Rome. J'ai pas pu trop filmer moi en train de parler, en train d'expliquer la journée et tout, parce que ben, c'était une visite guidée à pied, du coup c'est un peu chaud. Et sinon, je vous mets des petits plans en sous-titré, vous dire quelle place c'est et tout. Mais en excursion, on n'a pas le droit déjà d'acheter des choses par rapport à MSC, c'est ça? Du coup, on n'a pas le droit d'acheter des choses genre des glaces et tout. Je crois que la seule chose qu'on peut acheter, c'est de l'eau et un café. C'est ce que la guide elle avait dit. Du coup, ben, c'est un peu nul. Genre, on peut pas acheter de souvenirs et tout. Du coup, je suis un peu triste parce que moi, je voulais des souvenirs. Par contre, là, c'est bien parce qu'on rentre de l'excursion et la chambre est rangée. La chambre est rangée. Ça, c'est nice. Ça se voit, on est hyper fatigués. En tout cas, moi, ça se voit. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre en vrai. De toute façon, demain, on fait quoi? On n'a pas l'arme demain, je crois. Demain, c'est Palerme. Donc, ouais, là, je pourrais mieux détailler déjà dès le matin. De toute façon, il n'y a pas de soirée spéciale ce soir, donc le temps qu'il n'y a pas de soirée spéciale, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer. Sachant que c'est juste. En fait, le soir, on est mieux habillé que dans la journée. Donc, je vois pas trop l'intérêt de montrer une soirée normale. Je pense que je filmerai les soirées vraiment quand ce sera une soirée à thème, genre soirée du capitaine, soirée blanche, ou des trucs comme ça. Parce que je vois pas trop l'intérêt en fait. Enfin, ça va pas être très intéressant pour vous. Du coup, voilà, et puis on se retrouve pour prochaine journée. Bisous, bisous. Comme ça. Voilà. Bon bah c'est parti pour l'excursion de Naples. Yes. Du coup, on peut voir qu'en fait le plafond il change tous les jours. C'est trop relax. Dire vraiment passer ici c'est waouh. Ich bin l'excursion c'est j'ai peut-être enlevé quand même l'excursion non toujours pas l'excursion c'est en bus et tout et là on fait une balade du coup voilà. On rentre vers 12h30 1h et voilà il fait actuellement 28 degrés tout va bien voilà mais tout va bien genre peut-être dans une heure. Ouais, peut-être dans une heure je serai morte et étalée au sol, mais c'est pas grave, on fait avec. Comment, mais on a. Là, on va à la soirée du soir. Je vous ai pas filmé en fait parce qu'on était avec des amis. Du coup, voilà, on va à la soirée du soir, habillé comme ça. Perfect. Let's go. You are the reason.
Ok, donc là en fait j'ai pas pu filmer toutes mes journées parce qu'il y avait des journées moins intéressantes que les autres ou alors trop chargées pour pouvoir filmer. Ben voilà, vous avez eu je crois que 2 ou 3 journées en fait sur toutes les semaines. Mais voilà, je vous mets plein de petites parties les plus intéressantes, genre des spectacles ou des trucs comme ça, parce qu'en soi c'est tout le temps la même chose, c'est un bateau quoi, ça bouge pas. Et puis voilà, hein. Que dire? Ah oui, le room tour, j'ai pas fait non plus, parce que sincèrement c'était tout le temps le bordel. Donc on peut faire un room tour dans le bordel. Là, je viens de quitter la chambre, et j'ai pas eu le temps de filmer, parce que genre 8h, faut quitter la chambre, faut la rendre, nanana. Trop tôt, j'ai pas eu le temps. Du coup voilà, là je suis au casino, je traîne un peu parce que en fait là on est en complètement tempête et tout, du coup ça tangue, c'est horrible. Voilà, là j'attends et puis dernière journée quoi, enfin dernière matinée, dernières heures, il reste que 2 heures, deux. Du coup voilà, hein. Je vous montre mon endroit favori au final. Et je pense sincèrement que c'est l'endroit favori de plusieurs personnes. Bon les gars, ça fait une semaine que je suis rentrée de croisière. Je vais vous parler un peu plus de la croisière. Les 2 premiers jours, vous voyez un peu ma tête. Après, c'est que un défilé de choses. Et je vous avoue que comme je passais énormément de temps avec des amis que je me suis fait, c'est par contre, je suis hyper heureuse de m'être fait des amis. Comme je passais énormément de temps avec eux, je voyais pas trop. Enfin, je me voyais pas sortir mon téléphone et filmer. Alors que en soi, je suis là, c'est pour profiter, c'est des vacances, ça reste des vacances en fait. Et je pense que comme vous, des vacances, vous n'êtes pas tout le temps là en train de vous filmer, en train de, je sais pas, vous voulez profiter. Surtout que croisière, c'est la première fois que j'en fais. J'espère pas la dernière, mais c'est possible que ce soit la dernière. Donc voilà, c'était incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion d'en faire, faites-en parce que c'est magnifique. C'est du luxe en fait, c'est une vie de luxe, tu te réveilles. Tu t'habilles, tu vas déjeuner gratos et tout. Enfin, gratos, mais tu payes la croisière en soi. Tu vas déjeuner, t'as même pas à débarrasser ta table, c'est des serveurs qui viennent et tout. Enfin, c'est magnifique. Le soir, tu rentres. Enfin, le soir. Fin d'après-midi, tu rentres dans ta chambre, tu te laves. Tu te mets ta tenue de soirée en fait. La seule chose à laquelle t'as à penser, c'est bah, quelle robe je vais mettre aujourd'hui. Et en fait, c'est ça. J'aurais dû filmer une soirée à thème, au moins une. Mais en fait, le soir, on se prépare avec mes soeurs et tout. On descend, on va au spectacle. Le spectacle des extraits que je vous ai montré. Et directement après, on va au dîner. Et au dîner, c'est un peu compliqué de filmer parce qu'on mange. En soi, c'est un dîner. Enfin, t'as une table. De toute façon, vous avez vu un peu la salle, comment elle est. Enfin, t'as une table, t'as un menu, tu commandes, tu manges. Et puis voilà, basta. Mais, mon dîner, moi j'étais à une table et en fait à chaque table, t'as un serveur attribué à ta table que t'as tout le long de la semaine. Et en fait, ce serveur-là, mention spéciale, je vais lui envoyer la vidéo, il va être trop content. Nous, notre serveur, c'était un Philippin, Mariano, donc Mariano, comme on disait. Et il a été trop gentil, genre il a égayé notre semaine, vraiment, c'était un gros délire. Mais en soi, c'était un peu pour vous montrer le luxe et tout ce qu'il y a à faire sur le bateau. Et encore, je ne vous ai pas tout filmé. Parce que la salle, en fait, il y avait un étage où c'était une salle d'arcade. Donc là où je vous ai filmé la salle de cinéma. À cet endroit-là, tu avais une salle d'arcade, des petits jeux d'arcade en fauteuil, des simulateurs de course en voiture, bref, des simulateurs, et un bowling. Le bowling, j'en ai fait 2 fois. Et bah, c'était super bien. Sauf que c'était 30 minutes si tu réservais pas. Et si tu réservais, c'était 1 heure. Donc c'était cool. Bon, moi, je suis arrivée, je crois, 3e à la première partie. Et dernière.
à la seconde partie. Mais en même temps, je suis désolée, mais le bateau il tangue, tes billes elles tangent. Enfin, ta boule, elle tangue. C'est... Tu peux pas, tu peux pas. J'étais vraiment triste le dernier jour quand je suis partie. Je crois que ça s'est ressenti dans la vidéo juste avant, en fait. Ça s'est ressenti. J'étais blasée, c'était nul. Je voulais pas partir, j'étais en dépression, je te jure, j'étais en dépression. Et encore, après ça va, je suis restée 2 jours à Florence. Donc 2 jours à Florence, bon, tu restes en Italie et tout, c'est cool, on a visité des trucs. C'était cool. C'était ma croisière. Si vous voulez voir plus de photos à propos de la croisière, je vais en poster sur Instagram. Du coup, je vous invite à check mon Instagram, à me suivre pour suivre les photos. Je sais pas quoi dire d'autre, juste merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé ou que ça aurait pas trop été rapide. Ça vous montre un peu l'ambiance et la magie de la croisière. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment de la magie. Genre, t'arrives, t'es là, t'es... Mais c'est une ville dans un bateau. Une ville dans un bateau, c'est... Comment c'est possible en fait, c'est... Enfin bref, c'était trop cool. Les excursions aussi, les excursions, c'était vraiment cool. Franchement, c'était fatigant. Mais en fait, si on faisait pas d'excursion, parce qu'il y a eu un jour, une journée en mer, et en fait, pendant la journée en mer, comme il n'y avait pas d'excursion, on s'est un peu ennuyé. On était là... En fait, tu fais vite le tour du bateau, du coup, ce que tu as à faire, c'est souvent, c'est bronzer, ce que j'ai fait. Et oui, t'as pas grand chose à faire. C'est pour ça les excursions, c'est bien parce que tu les fais du matin. Tu te réveilles, tu vas à ton excursion. À 13h, tu rentres. Et là, tu peux profiter des choses que t'as pas encore faites. Et ça, c'est vraiment bien. Mais les excursions, c'est fatigant. Moi, j'étais fatiguée. Voilà. J'espère que, ben, encore une fois, ça vous aura plu. Et puis voilà, hein. La bise à Denise, comme je dis.